D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire quelques attaques, on va ouvrir ce petit coffre là. Ouais, j'ai un coffre à récupérer là. Puis on va récupérer l'autre parce que je vais avoir 5 couronnes sûrement dans cette vidéo. Est-ce que le tournoi du tirage mondial, il reste 21h, est-ce que je peux récupérer la récompense? Non. Elles seront disponibles 24 heures. Ah d'accord, en fait c'est au choix. Si je veux la récompense, il faut que je paye 500 gemmes. Et c'est vrai que ça vaut quand même le coup de payer 500 gemmes. Mais bon, j'ai pas 500 gemmes quoi. J'ai pas 500 gemmes. Faudrait que... Ouais, pourquoi pas test. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo acheter ces récompenses. D'ailleurs en description, vous avez un lien si vous voulez pour avoir des gemmes gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour si vous voulez... faire comme moi par exemple et acheter ceci pour 500 gemmes. Alors dites-moi en commentaire, comme ça je verrai ce soir ou demain matin si je l'achète. On ouvre ce petit coffre, si c'est en dehors, une TDE. Ok, une petite épique, on a un miroir, là on a un petit peu d'or, 3000 d'or, ok. Là je peux pas encore récupérer cette pierre, je sais pas ce que c'est mais bon, on va, de toute façon on va monter à 4800. On fait 2-3 attaques, comme ça on récupère deux coffres. Dans les événements là, juste en haut, enfin dans les récompenses plutôt qu'on a niveau 9, ah ouais, niveau 9 là, en plus la géré quand même, niveau 9, 4766 trophées, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air, après je sais pas. Alors barbare niveau 13, il a quand même ses... ah ben c'est... ouh, dommage, il a quand même ses barbares d'élite niveau 12 et c'est vrai que là il a fait quand même pas mal de dégâts, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu là. Bon, il y a deux barbares niveau 13, ça devrait faire un petit peu de dégâts. Pas beaucoup, mais un petit peu. Il a quand même géré avec ses barbares d'élite, là, les deux petits barbares d'élite. Bon, la tour à droite va pas tomber, mais pas loin. Pas loin, pas loin, donc c'est pas mal. Hop. Nickel. Bon, pour l'instant, bon, après il est niveau 9, hein. Normalement, pas de soucis. On va essayer de récupérer 3 étoiles, mais bon, je pense que ça va être chaud. Ça serait bien histoire d'ouvrir les coffres de récompense assez rapidement. Il manque donc 5 étoiles. Enfin, je dis 5 étoiles, mais en fait, c'est pas 5 étoiles, il manque 5 couronnes, voilà. Donc là, il va mettre le dragon. Même pas. Ok, boule de feu. Ouais, vous allez me dire, c'est pas mal non plus. Hein. Petite boule de feu. C'est pas mal. Là, c'est mis la bûche, par contre, ça va m'embêter un tout petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, c'est bon. Allez, 3-0, je pense. J'espère. Hop là, 3-0, voilà. Donc voilà, on récupère 3 couronnes. Après, il était niveau 9, donc il y a 3 niveaux de différence, c'est assez énorme. Donc, en tout cas, bien joué à lui d'avoir monté à 4766 trophées. Niveau 9, enfin, ça me paraît beaucoup, mais ça se trouve, c'est pas beaucoup. On verra ça, on verra ça. Donc là, je peux récupérer. Non, je peux même pas récupérer ça. Il faut 4800 trophées. Donc il nous faut encore 13 trophées. Donc c'est parti. Petite prince. Niveau 10 là. Donc là, c'est déjà mieux. Et j'ai vu donc que je pouvais monter à peu près à 5500. On m'avait dit ça en commentaire. C'est à peu près le. C'est à peu près le nombre de trophées auxquels je peux monter avec mon niveau 12. Donc. Enfin, c'est le niveau max d'ailleurs, je crois. Donc voilà. Voilà, je pensais mettre les gargouilles, mais là, non, ouais, pas de gargouilles. Oh yes. Oh, la princesse, elle a pas du tout de vie. Déçu là. Elle a pas du tout de vie. Oh le non. Oh le canon, je crois qu'il allait toucher quand même le bourreau là. Par contre, à gauche, c'était super là parce que l'armée de squelettes, mais ils ont tout détruit. Les barbares, donc ça, c'est nickel. On fait un petit peu de dégâts sur la tour comme ça. Donc là, pareil, on va essayer de chercher 3 étoiles. Hein. On va essayer. Hop. Petit géant. Juste pour défendre. Là, on va mettre quelques petits gobelins. Et voilà, rien de plus. Hein. Rien de plus, honnêtement. Là, je laisse comme ça. Comme ça, je me prépare si jamais il y a besoin de défendre.
Donc voilà, la tour va tomber peut-être. Non, même pas. Si, oui, ok, bah nickel. Ouais, là je vais mettre le petit canon. Ah, la tour va tomber là, non? Non, non. Oh, quoique. Non, c'est bon. Je peux quand même là. C'est vrai que je pourrais quand même un petit peu plus défendre, mais bon. C'est pas très grave. Alors, là on va mettre les petits gobelins. Les petits gobelins, et puis on va peut-être chercher 3-0 direct. Là on va essayer, ouais, je pense que ça le fait. Je pense que ça le fait. Petit ballon à droite au cas où, ouais, non, ça tue quand même. Oula, plus de connexion, comment ça c'est. Et on défend avec le canon, mais bon, je pense que ça fait 3-0. Donc voilà, là on va ouvrir donc les deux coffres, coffre de récompense. Allez, allez, 30 trophées, 44. Or en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans le clan. Là, il y a encore 3 places, mais je vais en virer quelques-uns encore. Il y a quelques inactifs, par exemple celui-là, ça fait un mois. Il y en a quelques-uns. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. J'ai monté la barre à 3000 trophées. Je pense que c'est même assez peu. Mais c'est pour qu'il y ait du monde. Puis après, au fur et à mesure, je vais augmenter le nombre de trophées. Mais pour l'instant, il y a encore pas mal d'inactifs. Par exemple, celui-là, 2 mois. Donc voilà, au fur et à mesure, j'en vire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il y a pour l'instant 6 places. Mais bon, je pense que ça va se réduire assez rapidement. Donc là, on va obtenir ça d'abord. Jeton d'échange, légendaire. D'accord, je peux échanger de légendaire pour avoir par exemple une princesse. Et donc après, on a à 4900 trophées, on aura un coffre épique. Et après, etc., etc. Bref, donc là, on ouvre déjà le 8ème. Faudrait que j'ouvre le 9ème. Voilà, 1000 d'or, 2 gemmes, 16 fripons, 17 mortiers, épique peut-être, non, 13, pierre tombale, et là, 1000 d'or, 2 gemmes, ok, une épique, non, même pas d'épique, 12 T2, ok, bah écoutez, on va faire une dernière attaque, je pense, une petite attaque avec quelqu'un du clan, si possible, en 2v2, on va tenter avec le clan, je sais pas trop longtemps, mais bon, s'il y a quelqu'un, pourquoi pas, j'attends 5 secondes, il n'y a personne. Voilà, enfin, il y a 2 personnes en ligne, mais bon, ils sont pas là apparemment, donc je vais quitter. Ouais, bon, allez. On part en 2v2, partenaire aléatoire, c'est parti. Alors, Marcus. Je suis avec Marcus. Bon, il joue déjà trop vite. Non, mais il faut que je me concentre parce que c'est vrai que là, c'est assez dur. Vas-y, défends. Oh, le PK direct. En fait, il a que des grosses troupes, j'ai l'impression, Marcus là. Enfin non, ça va pour l'instant, en fait ça va. Je prépare la flèche. Oh. Mince, allez. Ah. Les flèches ne se sont pas lancées. Dommage, c'est pas grave. Allez, le PK, tu es au moins là, voilà. Nickel. Bon là je vais mettre peut-être le canon, ouais je sais pas. Je sais pas trop, on va mettre les barbares plutôt. Les barbares. Donc lui il a quoi là? Ok. Bon, pour l'instant écoutez, c'est pas mal. Hein. À droite on fait un petit peu de dégâts pour l'instant. Après bien sûr ça peut changer, mais pour l'instant c'est pas mal. Donc lui il y a une P.K. qui va arriver. Bon, par contre ça c'est pas mal si il détruit le canon et qu'il vient directement sur. Oh dommage. Il aurait pu venir sur la tour là. Donc là il y a un P.K. mince. Il a mis une bûche pour rien là, c'est pas grave. C'est pas grave. Il aurait pu mettre la bûche maintenant par exemple. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que la prochaine fois on va. Là, il pourrait mettre le mineur à droite s'il veut. Ouais, c'est pas mal. Il avait pas assez d'élixir, mais bon, c'est pas mal là. Du coup, ça fait un petit peu de dégâts. Le géant est toujours en vie, donc c'est pas mal. Là, qu'est-ce que. Bon, je vais mettre de la barbare. Hein. Oula.
Là, faut préparer les flèches. La bûche. Oh, il a pas de bûche. Oh, nickel, bien joué. Bien joué, ça. Bon, 1-0, hein. Écoutez. Écoutez, 11 €, c'est pas mal. 30 d'or. On peut carrément ajouter un ami ce... avec la personne avec la... Enfin, la personne avec laquelle on a fait 2v2. Donner des cartes. Donc là, j'ai un petit peu d'or, je pense. Récompense, esprit de feu. Nickel. Bon, voilà, coffre légendaire qui arrive. Il manque encore quand même un peu moins de 300 points de quête. Donc on a encore le temps. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire voilà, si j'ouvre ce petit coffre ou pas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!